s'est dit que il faudrait essayer de faire un film qui soit pas une réponse, parce que, mais qui soit en lien avec ce que vit aujourd'hui de manière dramatique nos sociétés. Et donc on s'est attelé à tourner autour de ces jeunes gens et ces jeunes filles qui auraient pu, qui pourraient tomber dans, enfin, être fanatisées, devenir fanatiques. Et c'est quand on a trouvé ce jeune garçon, quoi. Enfin, le personnage de 13 ans, qu'on s'est dit, voilà, là on va pouvoir sans doute faire quelque chose. Précisément, c'est à partir du moment où on a pensé que notre personnage était un enfant, quasi adolescent, qu'on a, on a écrit notre scénario. Parce qu'on avait d'abord travaillé avec des personnages plus âgés, et on n'y arrivait pas. Pourquoi ? Parce que notre idée était de voir comment il peut sortir de ce fanatisme dans lequel il est embrigadé, endoctriné, emprisonné. Et c'est seulement quand on a eu le personnage de l'enfant qu'on s'est dit, là, il y a peut-être une possibilité. Peut-être que, même si ce n'est pas facile, parce qu'il ne faut pas être angélique avec... si on prend la religion au sérieux et l'endoctrinement religieux au sérieux, c'est difficile d'imaginer comment un autre personnage peut vous faire sortir de cet endoctrinement.